Mali BFM, le journal. Comme je vous l'annonçais en titre réprimé la semaine dernière, la marche patriotique de l'opposition a eu lieu ce matin à Bamako. Du monument Samori Touré à la place de la liberté et de la place de la liberté à la bourse du travail. Des milliers de personnes ont pris part à cette grande marche. Écoutons. Abdoul Karim Kone, du Front Patriotique. Oui. Aujourd'hui, déjà, je peux dire que on est heureux parce que le gouvernement a autorisé la marche. Mais c'est un droit. Donc on peut se réjouir, ils ont accepté la marche, autorisée, mais quand même, comme vous le voyez, c'est-à-dire ils ont disposé une force qui dissuade encore un peu les gens qui doivent venir, donc on n'a pas pu respecter l'heure. Mais quand même on est déterminé, c'est-à-dire s'il faut que nous versions notre sang pour libérer ce pays, on va le faire. À la population malienne, moi je dis... Ça, c'est entre nous les Maliens. On doit sortir pour monter à l'assaut, pour réclamer nos droits. Donc, pour réclamer nos droits. Aujourd'hui, nous sortons pour qu'on libère l'ORTM. Le pouvoir en place a une main mise sur l'ORTM, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Donc, nous sortons aujourd'hui pour réclamer ce droit. On va marcher jusqu'à libérer l'ORTM. Oui. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il était important que cette marche ait lieu. Il était important que cette marche ait lieu parce que, vous savez, la liberté d'expression, la liberté de manifester est un droit fondamental. Non seulement un droit universel, mais aussi un droit dans la constitution malienne. Donc il était important que et le gouvernement, et la société civile, et les partis politiques, et l'ensemble des partis aujourd'hui se retrouvent autour des vraies règles de la République. Mais ce qui est surtout, qu'il faut surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui c'est un grand pas pour la démocratie. Parce que il est indéniable aujourd'hui que l'État a mis main basse sur le RTM, sur les médias d'État. Et aussi, il est clair qu'aujourd'hui, le seul garant que nous pouvons avoir pour des élections libres, transparentes et crédibles, c'est de les organiser de manière inclusive. Cela est extrêmement important. Donc, je pense que les raisons de cette marche sont largement justifiées. Et aujourd'hui, le Front patriotique est là, en tant que société civile, pour justement réaffirmer notre attachement à la liberté d'expression, pour réaffirmer notre attachement à ce qu'il y ait des élections libres, transparentes et inclusives. Pour que soit... Notez que la présence effective des forces de l'ordre qui ont bien cadré cette marche. Toujours dans le cadre de cette marche dite patriotique, le mouvement politique Badiaton a aussi participé à la dite marche. Hamidou Tembiné, secrétaire à l'information du mouvement Badiaton. Ah, Abdelhamid Tembiné, je suis le secrétaire à l'information du mouvement Badiaton. Notre présence ici s'est basée sur 4 points. Le premier, il faut qu'il ait la libération de l'ORTM. Il faut que Bois libère l'ORTM, sinon Diobrin, il a trop vraiment assisté. Il faut qu'on libère de l'ORTM. Ça, c'est notre premier. Deuxième, il faut qu'il ait une élection libre, transparente. Troisième, il faut que vraiment il aille au centre, c'est-à-dire la région de Mopti, pour parler entre les Dogons et les Peuls. Vous voyez, il y a toujours des saccages là-bas. Quatrième point maintenant, c'est la libération totale du territoire. Il y a des djihadistes à Kidal, à Tombouctou, à Gao. Au lieu de s'occuper de là-bas, il est toujours là en train de maltraiter, de frapper, de gazier, voire de tirer à balles réelles, surtout les 2 jours passés. Or ça, ce n'est pas normal. Pourquoi la manifestation s'est autorisée au niveau de la constitution malienne, là, c'est-à-dire la constitution qui est en vigueur. Et dans son premier titre et troisième article, en outre de cela, l'Union africaine, la SAD de l'Union africaine aussi, autorise la manifestation. En outre de cela, la SAD de l'Union européenne, la SAD de l'Union européenne aussi accepte la manifestation. Surtout à les gens qui se manifestent mais nuit. Tout ce qu'ils font, c'est pour libérer les Maliens. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bien-être du pays. Nous, en voyant, on voit que le vieux veut garder son pouvoir coûte que coûte. Or,
il est venu par la démocratie et il faut qu'il accepte le jeu démocratique. Sinon, le Mali deviendra un pays fasciste, un pays anarchique, un pays dictateur, dictatorial. Or, ces temps sont évolués. Vous voyez, il faut vraiment qu'il laisse ça. Si les manifestants ont les mains nues et qu'ils n'ont rien comme cailloux, bâton, jet de fer, couteau, ils doivent... Cette marche était axée sur trois points, à savoir préparer des élections libres et transparentes, permettre un accès égal aux médias.